Attention, entrée. Mesdames et messieurs, le retour de Blue, notre ami le joueur de Guise. Pour changer. Il est beau. Relictabo. Blue. Et maintenant, l'entrée. L'entrée. De Fire. Fire, c'est dans l'autre sens. Fire, c'est là. Il joue pas Jean lui par hasard? Ouais, je crois que c'est un genre de... Je crois qu'il est un peu trop dans le cliché. Attention. Edgy sur 10. Edgy out of 10. Salut David Panther. Tu viens de rater la victoire de Nikki sur Gunny. Allez, c'est parti. Et on est en FT3, non? FT3 ou FT2? C'est un loser semi, on est en FT2. On est dans le top 4. Vous allez être enfermé avec nous dans le Nautilus. La cage. C'est la cage. La cage en béton. Rien. Maintenant, vous êtes. Vous jouez vos âmes. Alors, on vous prévient. On vous prévient, le gagnant mange le perdant. Le gagnant mange le perdant. Et je mange les deux après. En plus de vouloir une bière, t'as faim. Je crois que ça se voit sur mon physique. Mais non. C'est incroyable, c'est fini. Oui, c'est pour ça que je sais pas. Non, c'est pas ça. Là c'est pour faire un peu pour le crowdfunding. Welcome to the King of Iron Fist Tournament 7. Je vous rappelle que nous sommes dans le Nautilus. Nautilus étant le poste de stream du Level Up. Level Up Bar qui se situe à Toulouse 98 boulevard Pierre et Marie Curie. Ouais, 96-98, vous allez va donc pas vous tromper, c'est à côté. Le métro C, barrière de Paris, c'est accessible très facilement sur la ligne B. Donc vous n'avez absolument aucune excuse pour ne pas venir boire une bière et zoner un petit peu. C'est ça. Sauf si vous êtes dans une autre ville. Ouais, voilà, effectivement. Donc, on va vous balancer un lien de crowdfunding sur le stream. Vous participez pas, vous faites ce que vous voulez. Ça permet de customiser un peu stockage qu'on appelle, ce poste de stream qu'on appelle le Nautilus, pour ajouter du matos, des fumigènes, des néons, bien sûr, du tuning. Voilà, on est là pour le spectacle, on est là pour le beau jeu. Et ça commence avec du Jean contre Guise. Il faut changer la scène tout de suite. Donc là, vous avez donc Fire, Jean, bien entendu, et Blue, qui joue Guise. En bleu. Guise en bleu. Et il a récupéré sa couleur qui lui a été volée par Gunny. Je vois. J'avais pas remarqué que mes finalement. J'ai réussi à aller chercher un mid par-dessus. J'ai le Guise qui trouve l'ouverture. C'est Street Fighter, il se relève en bas point. Il se relève en bas point, on n'a pas le temps. Avec Fireblade qui est pas loin du coin. Il doit faire attention, le VHF qui passe dans la garde, ça a permis de... ce truc, et encore une fois, le back 3-2 qui va envoyer Fireblade dans le coin. Et ça, ça va tuer. Il faut que Fire, il soit moins... soit moins agressif, même si c'est lui qui tourne. Regarde ce que fait Blue avant de se balancer. Voilà, oh, le low pari, exactement comme ça. Exactement de cette manière là. Il va pouvoir aller chercher Loki un petit peu, Guise qui backdash. Là c'est punissable ça. Il a pas puni, il avait l'air pour punir. Le F1 plus 2 avec une shot, ça s'est déchopé. Bien joué le F4 en counter, il a pas confirme. Jin qui a perso vraiment compliqué à l'exé. Qui très fort mais qui... Alors que Guise, pas compliqué, j'ai pas voulu le dire. Oh là là, le combo avec l'électrique sur le 4 counter, c'est fou, c'est incroyable. C'est magnifique, c'est tout ce qu'on va voir. Et c'est un partout du coup. On est un partout sur ce premier match. Là on a Fire qui part dans l'univers Fire qui est pas assez sur son agression, qui continue avec ses mix-up. C'est en haut, c'est en bas, c'est à droite, c'est à gauche, c'est partout. Il va aller chercher le mur et imperfect. Perfect sur cette semi en loser. Il est dans son match, il a complètement. Il est complètement dans la tête avec tout, hein, il a tout par le rôle là. Enfin, il est dans la.
Il est là, la tête à Blue complètement. La Blue qui sait plus trop quoi faire, qui sait plus comment avancer, qui cherche. Il a mindé sur les balayettes et voilà. Et maintenant, en fait, il a montré, voilà, j'ai codé FF3 dans les 3 derniers rounds. Là, il a bien pari. Et voilà. Et là, c'est un joli pari. Et qu'est-ce qu'on dit? On dit Jin s'est pété. Et voilà. Il n'y a pas d'autre mot. On parie des passes qui n'existent pas. Oh là là, c'est bien. Oh là là, les balayettes qui parient. Il a trouvé HF derrière. C'est Jin qui sera agressif. Je respecte absolument. Il a voulu finir en full punch comme celle électrique. Oh là là, mais quel fou! Mais oh là là, mais c'est hyper vite un peu fou! Le point de respect! Voilà. Et, donc, et encore un parfait! Voilà. Et donc après, les gens disent que ça pue la merde. Ça pue la merde. Oui, alors, ouais, non. Alors, ça dépend à quel sens, tu vois. Parce que là, pour le coup, ça, je veux dire, on vient de démontrer que c'était quand même le perso. Non, bah, je veux dire, il n'y a pas plus fort. Si tu veux, tu paries tout, même des coups d'épée. À partir du moment, le seul truc que tu paries pas, c'est la fumée. Non, vraiment, le seul défaut au final de Jin, c'est le. C'est la complication de la difficulté à l'exécution. C'est. Mais alors, Jin, c'est compliqué à l'exécution. C'est vrai qu'il y a des. C'est vrai que c'est dur, mais c'est pas infaisable. Non, c'est pas infaisable. On est quand même pas sur le niveau d'un Akuma, tu vois, jouer avec des death combos et tout. Mais on est quand même sur. Ce que je veux dire, c'est que le personnage a vraiment besoin d'un skill floor qui est assez haut. Il y a besoin de certains niveaux techniques pour commencer à jouer ce perso. C'est vrai. Avec le F1 plus 2 qui commence en début de round sur ce niveau infini, il y aura pas de mur. Qu'est-ce qui commence avec un Ripuken qui zone, qui a pas envie de laisser à Fireblade des opportunités de rentrer. Fireblade qui va avec la stance, avec les mix-up, avec tout ce qu'on veut. Fire est match-up. Jin a le match-up, mais je pense qu'il n'y a aucun match-up faible. Sur les gommes au point de vue. Norage, c'est mon match-upage. On est sur Jin, voilà, bon, il a raté. Le VHF qui continue. Elle a chopé en deux, je l'ai pas déchopé. Attention, il y a 50-50 à la relevée. Il ne fait pas, il va faire autre chose. Disque qui a un rage art, qui a une grosse raging sort s'il veut. Il a une barre de le pack 3-2 qui peut passer et Jin qui ne laisse pas de frame traîner. Il a une barre DX, ça tue. Ah, c'est bien vu! J'ai vu les vrais combos, c'est comme ça qu'on les aime. Attention! Oh, il fait des. Bah oui, ça. Dommage, le pack 3+2 encore une fois! Heureusement, il n'y a pas de mur sur ce terrain pour continuer vraiment à l'infini. Il faut que Fire, au lieu de vouloir faire des setups à chaque fois à la relever, vraiment termine ses combos. C'est dans les petits dégâts comme ça qui manquent, il va se rendre compte que finalement, avec ces dégâts-là, il aurait peut-être. Ah, dommage. Ah, bah, il s'est venu dedans, en fait, finalement. Et là, avec ce il a tenté le whiff punish peut-être un tout petit peu trop tôt. Fire qui garde la distance avec F4, c'est tout ouvert. F4, c'est super fort. D'ailleurs, Fire très très solide. Fire très fort dans le jeu, en fait. Fire vraiment très solide. Oh, mais on le sidestep, Bob King. Et ça rage ici dans le Nautilus, vous l'entendez pas, mais c'est salé. Hein. Ah, ça aurait dû le pari. Dommage, il a mindé le pari. Là, c'est 50-50. Oh, c'est bien joué ça, il a mindé. Blue qui revient, qui va chercher le Jaiken, le knockdown c'est à lui d'attaquer. C'est lui qui est sur l'offensive avec Jin qui attend ça avec ses options. Qui sait pas exactement ce qu'il va mettre, le F en plus dur encore une fois. Et un autre combo de Blue qui s'est pas encore fait toucher dans ce round, il a mis de deux gros combos. Bien joué. Running One. Hey, cool. J'ai les pokes et un perfect. On a des perfects dans tous les sens sur ces parties. Et là c'est Blue qui a bien conditionné Fire. Alors, tu veux faire la barrière? Ok, y'a pas de problème, tu comptes ton truc. Là c'est la chop en deux. Avec le setup à l'autre qui s'en sort. Encore une chop qui passe. Ah c'est dommage, c'est bien. La chop c'est très très bien joué. Avec le pari qui est le parti. Il a fait F4 en boucheur, c'est comme ça. Il a fait ses Fireblade qui et a pas grand chose de prendre. La musique est un tout seul, qu'est-ce qui se passe? Et donc ce match qui continue avec Disque qui. Oh, c'est bien. Et la balayette qui est punie. Et c'est Fireblade qui va partir en grande finale. Et qu'on retrouvera tout à l'heure. Hey.